Oradour, petit bourg du pays Limousin, de 330 habitants, où les Limougeois aimaient se rendre afin de respirer le bon air ainsi que de pêcher dans la glane. La vie y était paisible, avec ses joies et ses peines de la vie quotidienne. Jusqu'au jour où vint le 10 juin 1944. Le commandant Dickmann, chef du 1er bataillon d'Air Führer, avait auparavant convoqué le lieutenant Kless de la Gestapo ainsi que 4 miliciens afin de mettre au point la destruction d'Oradour sur Glane. La réunion eut lieu à Saint-Junien. Deux jours auparavant, la résistance fit sauter un pont de chemin de fer afin de retarder les troupes allemandes qui se dirigeaient vers le front de Normandie. Durant ce sabotage, deux Allemands furent tués. Kampf, un ami personnel de Dietmann, fut fait prisonnier par la résistance à Saint-Léonard de Nobla, à environ 60 km d'Oradour. C'est peut-être la raison pour laquelle les SS se sont attaqués à Oradour afin d'intimider la résistance. Le convoi SS, comptant environ 200 hommes, prit la route au lieu dit Bellevue. Il éparpilla ses hommes autour d'Oradour afin de ramener au village toutes les personnes qu'il rencontrerait. À 14h, les habitants sont rassemblés au centre du village sur le champ de foire. Les soldats allemands envahissent les fermes, les maisons. Tout le secteur est bouclé par des sentinelles. Les enfants, les vieillards, aucune exception. Les écoliers sont conduits en rang, amenés par leur instituteur vers l'église. Les hommes sont conduits dans quelques granges. Les femmes, quant à elles, rejoignent les enfants dans l'église. Une ambiance malsaine règne dans le village. Petit à petit, les rues se vident de leurs habitants. L'inquiétude monte. Un Allemand est venu s'installer à l'entrée d'une des granges, avec une mitrailleuse posée sur trépied. Ce face-à-face durera quelques minutes. Les conversations vont cesser. La rue est calme, un calme inquiétant. Quelques cris d'enfants venant de l'église se font entendre. 16h. Soudain, une explosion venant de cette grange. Les soldats ajustent leur tir et en quelques secondes, tous les hommes tombent les uns après les autres. Une épaisse fumée envahit la grange. Certains seront enfouis dans ce puits. Seuls 5 hommes sortiront vivants de ce charnier. Profitant de l'épaisse fumée, ils purent ouvrir une porte au fond de la remise qui leur permirent de se réfugier dans les clapiers se trouvant à l'extérieur. Pendant ce temps, le commandant Dietmann ordonne à ses hommes de se mettre au garde à vous afin d'assister à la destruction de l'église.
Un soldat a installé une caisse remplie de dynamite dans l'église. Soudain, l'explosion embrasa la nef. Des cris de panique se font entendre. Des soldats SS entrèrent dans la nef et mitraillèrent dans tous les coins, ne laissant aucune chance à ces malheureux. Pourtant, une femme put échapper au carnage. Ce fut Madame Roufranche. Elle put s'échapper par ce vitrail après s'être cachée derrière le maître d'hôtel. Le vitrail étant brisé, elle grimpa sur un escabeau et retomba 3 mètres plus bas dans un jardin. Elle attendra 24 heures en se cachant avant d'être délivrée par la résistance. La température dans l'église était tellement élevée que la cloche fondit. L'enfant le plus jeune massacré dans l'église n'avait que 8 jours. Quelques vestiges témoignant de la vie qui régnait avant le massacre sont là afin que l'on n'oublie jamais ce qui se passa le 10 juin 1944.